entièrement. Alors là, je viens plus directement. Ce qui a inspiré les réactions, c'est pas seulement ce que j'ai entendu quand même aujourd'hui, c'est quand j'ai eu le livre d'Antonia en main et que j'ai lu l'introduction, j'ai donné alors comme titre « Philosophie sans système » et je crois que ça coïncide assez bien avec la manière dont tu as fini et dont tu as répondu à Hugues. Et alors, c'est une chose qui, moi, m'a tenue comme ça à, au corps et plus, et qui n'était pas bien vu à une époque, hein, d'être comme ça. Alors on disait impressionniste, ça saute d'ici à là. Non, c'est pas ça. C'est autre chose, je vais essayer de le dire. Mais avant de passer à ce que j'ai essayé, alors c'est des notes, vraiment j'ai pas fait quelque chose, hein, mais bon. Je voudrais enchaîner, parce que ça m'a interpellée, et puis vous savez, c'est ma manière. Je me cache toujours derrière les grandes femmes, les grands hommes. Il y a eu le nom de Cavaillès, alors tout de suite je m'engouffre, parce que moi je suis beaucoup plus petite que ça. Et c'est Hugues qui a parlé de la thématisation. Et alors, comme je l'ai expliqué, le mot lui vient de Husserl, mais alors, qu'il a d'ailleurs, Husserl a fait une remarque intéressante, et il a parlé de ça, phénoménologie, etc., je ne vais pas rentrer, mais il a fait cette remarque qui, moi, m'a toujours fait tilt, c'est qu'il a dit, mais d'ailleurs, la mathématique, elle a toujours fait ça. Il y a très, très, très longtemps que la mathématique thématise. Et donc, le concept philosophiquement était nouveau, mais l'action était ancienne. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est que Cavaillès, quand il s'est saisi de ça, ce qu'il a voulu faire, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais en tout cas, la chose est là, c'est qu'il a arraché l'idée de thématisation à son lien phénoménologique avec une conscience, ou avec la conscience, qui est encore pire d'ailleurs, et en voulant montrer, et c'est pour ça qu'il se réclamait sans cesse de Spinoza, mais je vous dis tout de suite, il a toujours dit « je suis spinoziste », il n'a jamais cité une seule ligne, même pas une demi-ligne de Spinoza. Donc là, il y a une histoire compliquée qu'on fera un autre jour. Donc, la solidarité des contenus, elle est plus forte, effectivement, que le lien de la conscience d'un contenu à la conscience d'un autre contenu ou de la conscience de ce même contenu à un autre moment sous un autre aspect. Ça, c'est fragile. Mais la solidarité des contenus, ça se tient entre eux. La preuve, c'est que la mathématique, eh ben, la solidarité est plus forte, je ne connais pas. Et alors, finalement, quand on parle de thématisation, et on a pu dire, il y a eu des écrits d'épistémologues ou d'historiens des mathématiques qui ont dit qu'à partir du 19e siècle, la mathématique a réfléchi sur elle-même ou s'est réfléchie en elle-même. Et que donc cette attitude thématisante s'est vraiment systématisée et devenue un procédé, non pas mécanique, mais systématique. C'est exact. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, c'est un phénomène dont on pourrait dire qu'il est objectif, comme, non pas comme la réflexion de la conscience sûre, mais comme la lumière se réfléchit, c'est-à-dire qu'elle se réfracte sur, par exemple, un miroir, que se disperse dans un prisme. Donc la réflexion, c'est pas seulement ma tête, ou ma conscience, mon esprit, etc., mon sujet, qui réfléchit. Il y a là quelque chose d'objectif qui se passe au niveau des symboles, et c'est pour ça que j'ai enchaîné, et qui, effectivement, il y a une force du symbole, du diagramme, de la flèche, de tout ce que vous voudrez, de ces idéogrammes, qui dépasse, et je crois que c'est ça que Cavaillès a voulu dire, qui dépasse la manipulation consciente ou semi-consciente ou un peu inconsciente, comme Poincaré a cru pouvoir le dire, enfin bon, l'intuition, hein, qui dépasse ça, tout simplement parce que c'est plus solide, ça tient. Alors, voilà ce que je voulais dire. Maintenant, si je veux être un peu philosophe, tout ça, je pourrais dire que ben, ça remonte. C'est pour ça que Cavaillès n'arrêtait pas de dire « je suis spinoziste ».
Et la seule chose qu'il ait pu dire de spinoziste, c'est justement l'idée de l'idée. C'est-à-dire que, parce que Spinoza, il a dit ça. Il a dit que l'idée a une puissance d'auto-affirmation en elle-même et une puissance de se lier à d'autres idées qui ne passent pas forcément par ma conscience. Enfin, il ne parlait pas de conscience, mais enfin quand même, l'âme. Et ça, c'est dans Spinoza, l'éthique, et je suis désolée pour les gens qui n'aiment pas Hegel, c'est aussi dans Hegel, évidemment, qu'il a pris à Spinoza. Il ne faut pas oublier que Spinoza a été redécouvert en philosophie en Allemagne au XIXe siècle, avant de venir en France, introduit en philosophie par des gens comme Delbos et Léon Brunschvicg, qui d'un côté a qualifié Hegel de prince de la philosophie au XIXe siècle, mais en même temps détourner ceux qui venaient le voir de faire des thèses sur Hegel. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que ce n'était pas très bien de mettre entre les mains des jeunes esprits la théophilosophie de Hegel, privilégiant le spéculatif sur la science positive, que ça pouvait donner certaines catastrophes. Mais lui, je peux vous dire, il connaissait Hegel, qui lui a même servi à faire un Spinoza tout à fait dialectisé. Et je n'invente pas, Brunschvicg parle de la dialectique spinoziste qui vaut mieux que la dialectique hegelienne. Bon, voilà, c'est un point d'histoire, et c'est assez amusant de savoir, par exemple, que Lefebvre, je ne sais plus son prénom, Henri, merci, est allé voir Brunschvicg en proposant une thèse sur Hegel et qui lui a dit non. Et donc Lefebvre s'est détourné, je ne sais plus ce qu'il a fait comme thèse, mais en tout cas, il a retrouvé du Hegel, vous ne devinerez peut-être jamais à travers qui, mais à travers André Breton. Et donc les chemins qui mènent à sont multiples. Voilà, alors c'est ça qui m'a inspiré, la conjonction de tout de suite, là, de Antonia et de Hugues, qui m'a fourni vraiment un excellent motif, c'est le cas de le dire. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé ? Bon, de toute façon, je vais vous dire, hein, ce sont, je ne sais pas si c'est des pensées, c'est quelques vues qui me servent d'architecture à moi-même, mais qui ne sont pas quelque chose d'extraordinaire, c'est des pensées banales, pas du tout, voilà, étayées sur rien, mais voilà, je vais les dire quand même. Étayées sur ma force de les énoncer maintenant, quoi. Et il faut être dans l'action. Alors, ce que je voulais dire, qui m'importe, il y a deux ou trois points, à part celui que je viens d'évoquer, et pour lequel je vous remercie là tous les deux, c'est que moi, justement, c'est ce que j'ai aimé tellement dans ton introduction, et quand on s'est parlé là-dessus, c'est que philosopher, moi, pour moi, ce n'est pas construire un système. Pas du tout. Enfin, pour moi. Je vais donner même pas une définition, juste, je sais pas moi, une esquisse comme ça. Pour moi, c'est une manière d'appréhender tout événement de son environnement, proche ou lointain. Enfin, c'est une autre manière de dire que c'est une pratique, c'est pas une doctrine. Et comme le disait Brouwer, ein tun, mehr als eine Lehre. Et aussi, on peut dire, bien que moi, tu sais, Wittgenstein, c'est bon, c'est une forme de vie, je te laisse le commentaire, parce que c'est vrai que c'est difficile, mais j'aime bien cette expression que j'ai lue dans Wittgenstein et dans Granger, qui la reprend beaucoup. Et donc, au fond, ce que je pense, mais c'est vraiment pas de la philosophie de livre, hein, c'est que la philosophie n'offre aucun abri, vraiment aucun. Au contraire, c'est quelque chose, si vous l'avez acquis comme ça un jour, ben elle vous expose. Elle vous expose beaucoup, parfois dangereusement. Elle vous expose à tout ce qui peut vous paraître être un problème, même vous les inventez s'il n'y en a pas. C'est comme ça.
Et pourquoi? Et puis alors, elle vous expose et vous vous accrochez aux problèmes pour essayer de les comprendre, mais pas forcément au sens herméneutique. Ça rejoint ton introduction et d'autres choses que j'ai écrites quelque part. Et puis, vous accrochez à essayer de trouver les pistes qui vont vous mener vers une solution ou une dissolution. Et quelquefois, vous pouvez dire, oh là là, j'étais idiote, il n'y a pas de problème. On peut espérer des conclusions de ce genre. Mais, oui, on peut espérer d'en arriver à dire ce n'était qu'un mirage de problème. Ça, c'est pas mal. Mais, j'ai pensé à ça en te lisant, et parce que pour moi, qui ne connais pas très très bien Wittgenstein, mais un petit peu, le livre de Wittgenstein qui m'a semblé être vraiment quelque chose, c'est le « De la certitude ». Le « De la certitude », peut-être d'abord parce que c'est un petit livre, je ne suis pas adepte des choses extensives, c'est comme ça. Je m'en vante pas, mais bon, voilà. Et aussi, puisque on attendait de moi que je parle de Cavaillès, et d'ailleurs je le fais avec plaisir, c'est que, voilà, quelque chose dans de la certitude me semble exposer une manière de philosopher qui n'est pas philosopher en système, bien entendu. Et ça le rapproche, à mon avis, surtout que c'était un peu la même époque, de Cavaillès. De Cavaillès qui a fait une philosophie tellement non systématique qu'il a été honni et excommunié par la philosophie analytique. Les analyticiens français détestent Cavaillès, ils détestent ou ils disent qu'ils détestent. Les raisons, je ne les connais pas, ils ne m'intéressent pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et c'est vrai que Cavaillès est difficile à comprendre. En partie parce qu'il n'a pas écrit comme Spinoza, More Geometrico. Il n'a retenu du More Geometrico de Spinoza que l'esprit, pas la lettre. Ah, alors les raisons sont multiples, se chevauchent, etc. J'ai pas le temps de les développer. Mais par contre, un point de vue d'histoire, c'est que j'ai découvert récemment, par hasard, que, en fait, cette volonté de non systématicité, mais de ne pas construire un système avec des thèses, soi-disant des axiomes, et des conséquences ordonnées, petit 1, etc., B, etc. Les philosophes le font parce qu'ils veulent vraiment, comment dirais-je, être sûrs de leur déduction. Je m'excuse, mais bon, voilà. Eh bien, j'ai découvert qu'en fait, c'est pas un hasard si dans l'école d'épistémologie française, que a lancé Braunschweig, mais pas seulement lui, à laquelle appartient Suzanne Bachelard, à laquelle appartenu évidemment Cavaillès et Gaston Granger, et Jules Villemin aussi, et De Santi aussi, c'est pas tout à fait un hasard que ces gens-là ont fait des livres de philosophie qui ne sont pas écrits More Geometrico. En fait, il y avait toujours le même, Braunschweig, c'était vraiment tutélaire, et je dois la chose à Canguilhem qui en témoigne, c'est que Braunschweig leur a dit, répété, enfoncé dans le crâne, que philosophie ne se mariait pas bien avec système. Et pourquoi il a dit ça, Braunschweig? Parce que justement, il voulait éloigner l'idée de système vu comme Hegel l'avait vu, c'est-à-dire un système qui érase toutes les contingences historiques, toutes les bifurcations, les échecs, et qui finalement fait une ligne continue du début jusqu'à la fin, telle que l'histoire devient rationnelle, l'effectif c'est le réel, et le réel c'est l'incarnation du rationnel. Et évidemment, ils prennent une autre vision, une autre perception de l'histoire qui est vraiment une histoire, qui n'est pas l'histoire du vécu, mais qui est vraiment une histoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir à l'instant T1 ce qui va se passer, disons à l'instant T2 ou T3 ou T56, peu importe, même si, après coup, ou à mi-chemin,
on aperçoit la solidarité rationnelle entre T1 et T2. Mais c'est à la fois, alors, ça c'est Cavaillès, nécessaire et imprévisible. Et c'est cette nécessité-là, c'est-à-dire que la nécessité, elle n'est pas historique, elle n'est pas de contingence, elle est rationnelle. Mais Cavaillès, je pense, vous savez, je ne l'ai pas connu, hein, mais je l'ai assez fréquenté dans ses écrits. Contrairement à ce qu'on peut croire a priori, Cavaillès ne dit pas qu'il n'y a pas de sujet, qu'il n'y a pas de contingence socio-historique, institutionnelle, etc. Il ne dit pas ça. Il dit même pas que, par exemple, la physique ou les, enfin, alors moi j'ajoute, hein, la biologie, les sciences économiques, même la psychologie, etc., ne fournissent pas des problèmes aux mathématiques. Non, il dit tout simplement que ce qui l'intéresse, ce n'est pas le lien de quelque chose qui vient aux mathématiques qui le mathématise, mais le lien du mathématique aux mathématiques. C'est tout ce qu'il dit. Et dans cette perspective, en même temps, si vous voulez, la nécessité interne, j'aurais bien sûr beaucoup de choses à dire, mais bon, du coup, on n'a plus besoin ni d'axiome ni de fondement dans cette épistémologie-là. Et là aussi, c'est un point très fort de convergence entre Wittgenstein et Cavaillès. Alors, je ne sais pas qui a influencé qui, hein, ça, j'en sais rien du tout, mais c'est certain que Cavaillès met en pratique la remarque extraordinaire de Wittgenstein qu'en général, quand on essaye de fonder quelque chose, on apporte un fondement qui est plus fragile que ce qu'on voulait fonder. Et donc, ma foi, il faut cesser, d'après Cavaillès, de se prendre au piège du fondement, au piège de l'origine, le commencement à la Husserl, c'est pour ça que la phénoménologie l'a mis de côté, l'origine, une, fixe, non variable, etc. Et on peut ajouter, ça ne veut pas dire qu'on vient de nulle part, ça veut dire que les ancrages sont multiples, qu'ils sont dans une pratique, qu'ils sont mobiles, et donc variables, et qu'ils sont provisoires. Un ancrage n'est pas un ancrage définitif. Et donc, cette histoire de fondement, je crois que, parce que la philosophie, à la fin du 19e, cherchait le fondement a voulu. Cette attitude, justement, était quelque chose que Braunschweig a combattu et que tous les gens de l'école d'épistémologie historique française ont repris, c'est que la philosophie n'est pas une sorte de promontoire, un perchoir, et qu'on jette les yeux sur la physique, la biologie, les mathématiques, et puis on dit à ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, ils n'en avaient pas conscience, etc. Non. Si on veut s'intéresser aux mathématiques, à la physique, à la biologie, etc., eh bien, d'abord, on en fait un peu. C'est pas mal. Et puis ensuite, on s'exprime, mais c'est une parole de philosophe et ça sera jamais, ça ne s'autorisera que de la philosophie de celui qui l'énonce, ça ne sera pas peut-être rien du tout pour le mathématicien qui pensera autre chose. Néanmoins, il y a des convergences et historiquement, par exemple, puisque vous voulez entendre Cavaillès, je vais vous en parler, il y a une convergence assez remarquable. Est tout à fait explicable entre ce que Cavaillès a écrit déjà dans ses thèses en 1938 et ce que André Weil, qui était son contemporain, a écrit quand il a eu l'occasion de s'exprimer sur la nature des mathématiques et en particulier dans les lettres qu'il a écrites à Simone, sa sœur, celle que j'ai lue date de 1940, donc après les thèses publiées de Cavaillès, et dans laquelle on retrouve des phrases, des morceaux de phrases, si je faisais l'exercice que vous avez fait tout à l'heure et que je vous les mettais au tableau, vous me diriez Cavaillès. Eh bien non, c'était André Weil, par exemple. Alors c'est tout à fait, mais c'est pas étonnant, parce que André Weil a été l'interlocuteur mathématicien principal de Cavaillès à Strasbourg, et là je crois qu'elle est partie, il y avait une dame là. Non, je ne sais plus. Bref,
André, elle est partie. Oui, voilà. Et donc, si vous voulez, ils ont discuté ensemble. Et donc, la convergence, c'est pas du tout un hasard. Et alors, finalement, qu'est-ce que je retiens de tout ça? Ben, je retiens, moi, que philosopher, c'est premièrement être anti-dogmatique. Parce que ça, justement, le dogmatisme, c'est l'annihilation. Peut-être que je me mets dans une hubris insupportable ou dans une utopie intenable en m'imaginant que philosopher, c'est résister. Mais c'est résister, je pense, ou j'espère, à l'aliénation de pensée qui consiste à se couler dans des évidences qu'on ne vérifie pas, on endosse, on prend les chaussures de quelqu'un d'autre. Les poncifs, ça fait bien d'être conforme. Les uniformes de pensée, comme l'a écrit Cavaillès. Les réductionnismes, ça fait bien de penser qu'on est tous pareils ou que si on ne l'est pas, on devrait l'être, etc., etc. Tout ça, c'est des aliénations de pensée, mais c'est de graves aliénations politiques. C'est comme ça qu'il arrive des catastrophes. Donc, voilà. Donc, je préfère mon utopie au ras de terre beaucoup plus dangereux. Voilà ce que c'était pour moi philosopher. La deuxième chose, ou la troisième, je ne sais plus très bien où j'en suis. Oui. Je voulais dire un mot de l'autonomie. Parce que un des grands choses qui m'inquiète. Oui, c'est ça. C'est la solidarité des contenus. Oui, oui, oui. Voilà, l'autonomie, évidemment, quand j'étais jeune, j'ai rapproché, puisque je l'ai écrit, donc je peux le répéter, même si je ne suis pas convaincue que c'était tout à fait juste, mais peut-être je vais pouvoir corriger, que l'autonomie de la grammaire chez Wittgenstein était quelque chose qui pouvait rappeler l'autonomie que Cavaillès a voulu voir au contenu mathématique. Il ne dit pas conceptuel, nous disons aujourd'hui conceptuel parce que nous traduisons le Frege, inhaltlicher Begriff, contenu conceptuel, voilà. Mais Cavaillès, il dit contenu tout court. Et je pense que si on maintenait le rapprochement, d'abord il faudrait dire que les contenus de Cavaillès ne sont pas des objets, mais je pense aussi, pour ma part, que les contenus mathématiques ne sont pas exactement des objets, et que c'est très embêtant la notion d'objet, parce que la notion d'objet est corrélative de la notion de sujet, tandis que moi, je pense que la notion de contenu vous permet d'évacuer l'ennui de l'opposition du sujet et de l'objet. Je pense. Donc, voilà. Contenu ou concept, ça dépend. Voilà. On est d'accord. Mamufie est d'accord. Comment ? Mamufie est d'accord. Et Mamufie est d'accord. Et Antonia Mamufie aussi. Voilà. Et alors, j'ai d'autant plus envie de parler d'autonomie que tu as parlé de l'autonomie du musical. Alors, si ce n'est pas de la grammaire, c'est de l'autonomie du musical. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que voulait dire Cavaillès par l'autonomie? D'abord, c'est pas comme l'autonomie de la grammaire, c'est pas l'autonomie du syntaxique, pas du tout, ni du grammatical. Parce qu'un contenu, c'est un croisement enchevêtré de syntaxe et de sémantique, d'état de sens, et la syntaxe évolue aussi, il ne faut pas croire qu'on a une syntaxe une fois pour toutes, etc. Enfin, c'est, voilà. Et il ne faut pas penser que Cavaillès a cru, il n'était pas si naïf, que les contenus autonomes n'ont pas une genèse dans ses composantes psychosociales, institutionnelles, et avec des origines venant d'autres sciences. Lui, il parlait de la physique, et il a séparé les mathématiques de la physique, non pas parce qu'elles sont séparables, mais parce qu'il voulait comprendre comment ça fonctionne, le mathématique, dans la mathématique. Et on peut ajouter la biologie, les sciences économiques, et même
même la psychologie, la cognition, et que sais-je, qui utilisent des instruments mathématiques et qui se tournent vers les mathématiques pour leur emprunter leurs instruments ou pour leur poser des problèmes à résoudre, directement ou indirectement. Non, ce qu'il voulait dire, c'est que, quel que soit le contexte de naissance ou l'origine, je vais employer un mot que j'aurais préféré éviter, empirique, empirique. En ce qui concerne les mathématiques, du moins, l'autonomie d'un concept ou d'une méthode signifie tout simplement que vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez sur la genèse, la vraie genèse, etc. Une fois que vous direz que la notion, je vais prendre n'importe quoi, ce que je disais tout à l'heure, la notion de fonction est née à tel machin, etc., elle n'existait pas dans les mathématiques de l'Antiquité, et etc., etc., et voilà comment, et puis le rôle de Galilée, de celui de la physique. Vous n'aurez pas encore très bien compris comment ça fonctionne, une fonction en mathématiques, vous aurez su comment elle est née. Mais vous n'aurez pas compris intrinsèquement comment un mathématicien se sert d'une fonction pour représenter un phénomène physique, par exemple la vibration des cordes, ou. Et donc c'est tout ce qu'il voulait dire, c'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, pour comprendre, et non pas expliquer, mais pour comprendre un concept, une méthode, il faut se référer à l'environnement mathématique des concepts ou méthodes antérieures ou contemporaines, et non pas à quelque chose d'extérieur. Et en cela, il n'a fait que reprendre quelque chose qui s'esquissait chez les mathématiciens eux-mêmes, et par exemple chez quelqu'un comme Félix Klein, qui, dans un papier, parle, lui, de la... Alors c'est d'ailleurs dans ce texte de Félix Klein que pour la première fois on voit que les mathématiques, selon lui, sont mues par les problèmes, qui devient un leitmotiv dans les écrits de Caballès, que ce qui fait marcher les mathématiques, c'est les problèmes à résoudre, etc. Et que évidemment ces problèmes, ils peuvent être là depuis Euclide ou les Mésopotamiens. Ça c'est pas très important. Ça c'est à l'échelle. On peut attendre. Mais il appelait ça la continuité historique, que les problèmes engendrent des essais de solutions qui elles-mêmes engendrent d'autres problèmes, etc., etc. Et la balle grossit, voilà, et s'enchevêtre. Et en fait, c'est ce que on pourrait, du point de vue de Klein lui-même, c'est plutôt une continuité rationnelle que réellement historique. Mais cette expression, elle a le mérite d'introduire l'histoire dans le cœur de la création mathématique et dans le cœur de notre réflexion sur les mathématiques et leur histoire. Et aussi, elle empêche, et c'est à ça que l'a utilisé Caballès, de concevoir des objets comme des choses en soi. Ce en quoi il se sépare de Bolzano, bien qu'il ait fait un éloge vibrant de Bolzano, et je vous signale entre parenthèses que cet éloge est hegelien. Il se sert de concepts. Il a fait un Bolzano hegelien. Je ne sais pas s'il s'en est aperçu, mais... Vraiment. C'est pas exactement Bolzano. Mais bon, peu importe. En tout cas, Bolzano avait le mérite de dire que la science est autonome et qu'elle n'est pas une médiation entre le monde et l'esprit. Et ça, c'est vrai que c'est ça l'autonomie. Il faut m'arrêter. Je voulais quand même faire un point sur la nécessité interne. Je voulais dire que Caballès l'a pêché à diverses sources. La première et la plus prégnante, en tout cas pour moi, c'est Dedekind, dans la fameuse leçon de 1954, l'expression « y est ». Et comme Caballès s'est servi de cette leçon pour faire son épistémologie, c'est une leçon d'ailleurs qui peut être lue même par un non-mathématicien, c'est pas un problème. C'est Dedekind qui traduit la continuité historique de Félix Klein en nécessité interne, qui traduit d'ailleurs, je crois que, oui, même je suis sûre, nécessité interne de Dedekind est historiquement bien antérieure à la continuité historique de Klein. Donc c'est pas Dedekind qui s'inspire de Klein, c'est plutôt l'inverse.
Alors, ce que je voulais dire, je ne vais pas prendre trop de temps, hein, mais cette nécessité interne, alors oui, il y a des déclins. Naturellement, l'autre source qui crève les yeux, même si on ne veut pas la voir, comme il est arrivé entre 1920 et 1900, je ne sais pas combien, jusqu'à nos jours, ben, l'autre source, c'est Hegel. Ça, inévitable. Et absolument inévitable. Mais bon, je n'ai pas le temps de développer. Mais bon. Il y a des choses qui séparent fondamentalement Caballès de Hegel. En fait, ce que fait Caballès, à mon avis, c'est, c'est la philosophie, c'est le philosopher même. Il s'est servi des outils livrés par Hegel pour le combattre. Et cette nécessité interne n'est pas un déterminisme, elle n'est pas linéaire, évidemment, elle n'est pas a priori, et surtout, elle n'a pas de finalité, ni au sens d'un achèvement, ni au sens d'une finalité intentionnelle, d'une intention, soit divine, soit humaine, soit comme vous voudrez. Il n'y a pas de finalité. La finalité est un concept qui met de l'extérieur dans quelque chose d'autre. Tandis que la nécessité interne, eh bien, c'est interne, c'est tout. Et le but n'est pas extérieur à l'accomplissement de la tâche. Oui, non. Oui. La critique de la finalité est spinoziste. Oui, tout à fait. Spinoziste, oui. Là, c'est Spinoza contre Hegel. Oui, tout à fait. Absolument. Absolument. Oui, c'est ce que. Je ne sais plus où j'ai lu que le monde de Spinoza est un monde qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sens. Et c'est vrai, alors celui de Caballès, c'est plus compliqué. Voilà. Le sens téléologique, tu veux dire? Oui, pas de téléologie, ni d'origine, on est orienté, on n'a pas d'origine et on n'est pas orienté. C'est ça l'imprévisibilité. Si Caballès dit que c'est nécessaire et imprévisible, c'est qu'il n'y a pas de téléologie, il n'y a pas de télos. D'accord, c'est tout à fait ça. Alors oui, bien sûr, c'est pour ça que la dialectique mathématique est à distinguer radicalement quand même de la dialectique hegelienne qui est aimantée, qui a à la fois, qui est linéaire d'abord, même si on surmonte les étapes, etc., hein, si on dépasse et qu'on retient, oui, je ne sais pas comment on traduit en français, bref, mais malgré tout, c'est une linéarité qui fait qu'on voit l'histoire du monde et de tous les peuples sur un seul axe. Et d'autre part, l'autonomie, si vous voulez, c'est vrai qu'on revient à Spinoza, et on a pu dire, alors, oui, c'est ça, voilà. Spinoza, comment il définit autonome? Allez regarder, c'est pas très compliqué et c'est très bref. C'est ce qui est cause de soi. Causa sui. Alors, pour Caballès, le mot cause est inadéquat. C'est pour ça que j'avais. Voilà, c'est pour ça que j'avais. Je disais oui et voilà. Parce que selon Caballès, mais aussi, je crois, Granger, De Santy et leur ancêtre à tous, c'est-à-dire Dedekind, on n'est pas dans le registre de la causalité. Et c'est pour ça que le fameux dilemme de Benacerraf, là, comment fait-on pour accéder aux objets abstraits alors qu'ils sont inefficaces causalement? Bon, c'est une question, voilà, je ne sais pas si elle est exactement bien posée, c'est une question, mais voilà. Donc, tout à fait au sens de Dedekind, leçon de 1854 et d'autres petits écrits par-ci, par-là, ce n'est pas du ressort d'une explication physique, causale. Le registre de la causalité, c'est de la physique. C'est une sorte de mécanisme. Si je prends cette bouteille, et ben voilà, le mouvement il résulte de mon geste, on a une cause, un effet. Et c'est pas comme ça
pour les mathématiques. Ça ne se passe pas comme ça. Et c'est pour ça que ce n'est pas un déterminisme, d'ailleurs, le développement mathématique. Et c'est pour ça aussi que la nécessité interne, et selon Dedekind, et selon Cavaillès, n'exclut pas ce que j'ai appelé les ruptures de continuité ou les ruptures de nécessité qu'instaure la création. Le mot création est un mot de Dedekind que Cavaillès a adopté les yeux fermés et qu'ensuite il a un peu... Bon, ça c'est des autres détails. Donc, la nécessité interne, elle n'interdit pas du tout que la nécessité soit rompue, la nécessité d'où l'on vient soit rompue, pour que d'autres lignes de nécessité s'instaurent. Et ça veut dire tout simplement, en langage vernaculaire que je voulais utiliser hein, aujourd'hui, que la nécessité bifurque, sans cesser d'être une suite, mais pas forcément linéaire, ou un réseau de nécessité. C'est comme lorsqu'on dit en physique qu'on a une brisure de symétrie. On a un état, et puis on a une brisure de symétrie, puis ça instaure un autre état de stabilité. C'est un peu, si vous voulez, c'est une image, c'est une analogie. Et finalement, ce que je voulais dire un petit peu en avance à certaines objections qui ne seront peut-être pas exprimées ce soir, c'est que parler d'autonomie des concepts mathématiques ou des contenus, parce que chez Cavaillès c'est contenu, mais en même temps il interprète le concept, non pas cette fois au sens de Dedekind tout à fait, mais au sens de Frege, c'est-à-dire pour Cavaillès, concept, c'est ce de quoi toute trace de subjectivité est absente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un sujet. Ça veut dire qu'il y a un niveau où on ne regarde pas ce que fait le sujet, on regarde le résultat de ce qu'il a fait. C'est tout. Et parler de l'autonomie des contenus, c'est juste un point de vue. Ce n'est pas le point de vue, en mon sens. C'est juste un point de vue, mais qui me paraît avoir l'avantage d'expliquer, en ce qui concerne les mathématiques, du mathématique par du mathématique, c'est-à-dire de rester à l'intérieur d'un domaine qui n'est pas fermé, mais comme aurait dit Cavaillès, qui est un volume de Riemann, à la fois fermé et ouvert, si je puis dire, ouvert à l'intérieur et fermé sur soi, parce qu'en fait, tout ce qui vient de l'extérieur, il s'engouffre dans la sphère de Riemann. Il s'engouffre, il est mathématisé. À partir du moment où c'est du mathématique de part en part. Que ça vienne de la biologie, de la physique, etc. Bon, ben voilà, c'est ce que m'a suggéré vos interventions. Oh, je voulais citer quelque chose et j'ai oublié ton livre. Vous pouvez me le prêter ? Voilà. Je voulais, pour finir, parce que c'est ça que je voulais quand même, parce que c'est quand même un hommage à Antonia. Je voulais citer quelque chose qu'elle a cité d'ailleurs. Voilà. À la page 12-13, elle écrit en citant un monsieur que je ne connaissais pas, mais enfin, écoutez, je suis ravie, j'ai accepté de venir contre vents et marées, il faut bien le dire, mais je ne le regrette absolument pas, j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants, j'ai appris plein de choses. Alors elle écrit, page 12-13, « La vie, en jeu dans le langage, ne se résume pas au vécu que l'on chercherait à exprimer. Comme dans la musique, on n'exprime pas ce que l'on vit, mais l'on vit ce que l'on exprime », écrit le musicien Boris de Schlözer. C'est comme ça qu'on prononce ? Schlözer, à l'allemande. Alors, je voulais juste avoir un petit commentaire là-dessus, cette manière de vivre, puisqu'il s'agit de Cavaillès, c'est pour ça, sinon je me serais tue. Je reprends, on n'exprime pas ce que l'on vit, mais on vit ce que l'on exprime. Alors, ce que je voulais dire, en évoquant Cavaillès devant vous, et je pense qu'il le mérite amplement, c'est que, d'une part, si l'on veut, d'une certaine façon,
ne pas en référer toujours ni à l'objet d'un côté ni au sujet de l'autre, parce qu'il faut bien voir qu'il ne se réfère pas au sujet mais pas plus à l'objet, hein. Attention, hein. Voilà. Et c'est que voilà, en faisant, j'ai perdu le fil. Si il faut, je crois bien dire que pour ne pas se référer au sujet, pour éviter de se référer au sujet, c'est qu'en fait il y a le philosophe est toujours dans la distance. Il n'est pas le seul. Le concept de distanciation a été magnifiquement mis en acte par des artistes que vous connaissez certainement mieux que moi. Et je pense que cette distanciation est absolument indispensable pour passer du jeu acteur, le jeu GE, pas GEU, le jeu psychologique, en prise avec ses sensibilités visuelles, auditives, olfactives et autres. Forcément, là, la sensibilité est peut-être primordiale à différents sens de ce terme. Et donc, en effet, voilà, il y a cette distance. Mais d'un autre côté, et surtout lorsque je pense à Cavaillès, si l'on est... La philosophie, c'est aussi, d'une certaine façon, avoir une grande humilité et avoir une très haute idée d'autrui et de soi, et une idée assez haute pour oser s'investir dans ce que l'on dit, s'investir vraiment sans tricherie, dans ce que l'on dit et dans ce que l'on fait. C'est pour ça que je pense que la phrase de Stelzer est réversible. On n'exprime pas ce qu'on vit, et on vit ce qu'on exprime, mais on exprime aussi ce qu'on vit. C'est, voilà. Je pense ça, évidemment, ben c'est ça. Et vie n'a pas le même sens dans la première phrase et dans la seconde. Absolument. Merci.